Bonjour, Miss Stagiaire, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant le module statistique. Un groupe d'étudiants est réparti selon l'âge qu'on suit. On a des classes qui varient de 20 jusqu'à 45 et plus. On a chaque classe une fréquence absolue, ça veut dire une I. On a des questions, quelle est la population étudiée? Deuxième question, déterminer l'unité statistique, déterminer la nature de la variable étudiée, quelle est la limite doit-on à la dernière classe pour que toutes les classes aient la même amplitude, quel est le centre de la classe, quel est le nombre de personnes ayant au moins, quelle est la proportion des étudiants ayant âgé. Et donc, on a cette question, on va répondre. Une première question. C'est la population étudiée. La population étudiée. Il y a un groupe d'étudiants. Vous faites le montant total d'athlètes, mieux les étudiants, les un groupe d'étudiants et donne 2 points. Pardon. C'est un groupe d'étudiants de 50, un groupe de mieux étudiants, où un colo est constitué. Constitué de 182 étudiants. Voilà. Deuxième question. Déterminer l'unité statistique. Unité statistique. Est un individu. C'est l'individu. Vous voyez, qui est l'individu. Voilà. Troisième question, déterminer la nature de la variable. Quelle est déterminer la nature de la variable? Et dans je vous la variable. Étudier selon l'âge. La variable étudiée est l'âge. À l'âge identique. Point. C'est une variable quantitative. Continue d'analyser toutes les variables. Je vous pose question 4. Quelle est la limite? Doit-on limiter à 2 et dans chenille l'amplitude à 55 Et dans la borne supérieure, qu'est-ce que je veux? La borne, les conséquences, la borne supérieure, d'après vos cours, la borne supérieure de la dernière classe est 50. Voilà.
Question 5. Quel est le somme de la classe 20, 25, 25, 20, la bande supérieure 25, la bande inférieure 20, 15, donc 25, 20, 20, quasiment elle est juge. Ici, le somme de la classe. Chauffeur, sixième question. Domaine statistique, chaque valeur, une unité. Quel est le nombre de personnes ayant au moins 20 ans et le nombre ayant 20 ans ou le mouvement par la semaine en prélat que ce soit 8000 ou 8000 étudiants. Il y a grand N, il y a la taille de la population, il y a l'effectif total. La dernière question, quelle est la proportion la proportion des étudiants ayant âgé 35 ans, et dans 35 ans plus, fais attention, et dans plus 35 ans plus, au plus, mais tu as déjà et dans 10 minutes, fais attention. On doit voir FMIA. Et on voit la proportion. القاب هي شود سبين فصلات ناش بوسون ميرسي دو فور اتونسيون جوسكا بروشان فيديو نيزيتي با دابوني بور ريسيفوار دوت فيديو